de l'agriculture sécurisée au profit des populations de Nanoro dans le bulletin des infrastructures ont été construites et inaugurées pour stocker et commercialiser des produits tels que le kété, le niébé, le maïs, la gomme arabique. Reportage Biba. C'est dans le cadre du programme de Kounoum dans le secteur ACESA qu'ont été construites ces infrastructures. Des infrastructures, les populations dans le cadre de la commercialisation de leurs produits. Pour ça, le ministre Salompo, celui du commerce et de l'industrie, ont fait le déplacement des Nanoro pour inaugurer ces réalisations faites en partenariat avec le Danemark. Il s'agissait de voir comment on peut faire le lien entre la production et le marché. Parce que voyez-vous, si vous ne pouvez pas écouler, gérer des stocks, ça coûte. C'est comment faire en sorte que nous puissions avoir des infrastructures économiques. Mais également, comment on peut faire en sorte qu'on lie, si vous voulez, qu'on adjoigne le privé, le secteur privé au secteur public pour gérer ces questions et puis intervenir, on va dire, dans le cadre institutionnel pour améliorer justement les conditions qui vont permettre aux producteurs de profiter et d'avoir accès au marché avec des produits de qualité. Nous avons le même croissance que le gouvernement du Burkina Faso, que c'est à travers le secteur privé qu'on doit voir la croissance économique et on doit voir au bénéfice de toute la population un changement réel par rapport à la pauvreté. Donc nous sommes très heureux d'être associés avec le gouvernement et d'aussi contribuer, de faire notre petite contribution à la réalisation du gouvernement du Burkina Faso. Le PCSA est à sa troisième phase et à travers lui est valorisé les filières telles le karité, le niébé, le maïs, la gomme arabique et la filière bétail-viande. Des filières dont la promotion est faite dans 5 régions du Burkina. Il s'agit de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Nord et du Sahel.